Je suis venu rendre visite au dispositif lutte contre les feux de forêt en Corse pour, à la demande de la préfète de région, non pas m'assurer que le dispositif est en place, parce qu'il l'est, je dois dire que nous sommes prêts à le faire, mais simplement venir tirer un petit coup de chapeau, comme il se dit, à ces femmes et à ces hommes qui, au péril de leur vie et au péril de leur physique, maintiennent cette beauté magnifique et luttent parfois difficilement contre les feux de forêt. L'année dernière, nous avions eu, et vous le savez bien, vous ici en Corse, qui avez perdu presque 7000 hectares, une saison très compliquée. Nous en avons tiré toutes les conséquences. Le dispositif a été revu à la marge. Il est suffisant et comme vous le savez, nous sommes en capacité de monter et d'envoyer des renforts autant qu'il est possible et autant qu'il est nécessaire surtout. Il a été adapté essentiellement, on a revu simplement l'implantation de nos militaires de la sécurité civile de manière à rendre, à massifier l'endroit où ils sont de façon à ne pas être dispersés et de pouvoir en déployer davantage. Et ainsi, nous pourrons mettre 25% d'hommes en plus sur le terrain grâce à ce petit regroupement qui n'était que technique. Les renforts du continent sont mobilisés au fur et à mesure qu'il est nécessaire. L'année dernière, il y a eu en Corse deux colonnes de renforts en permanence. S'il était nécessaire, j'en enverrai autant qu'il se faut, de manière à pouvoir lutter ponctuellement ou à laisser sur place en prévision d'une situation tendue. Les deux SDIS font des efforts d'investissement importants, comme tous les SDIS de métropole. Les matériels qui sont derrière nous, 4 camions, c'est plus €1 million. Ils sont renouvelés. Ils sont renouvelés d'abord parce que les normes de sécurité évoluent. Et ils sont renouvelés aussi parce que les investissements de la collectivité et des deux SDIS sont à la hauteur des besoins. Le maillage est identique aux années précédentes. Il est simplement réadapté. Et en cas de besoin, notamment aux analyses prévisionnelles de risque, nous n'attendons pas que le feu soit présent pour envoyer des renforts. Nous déployons, nous renforçons le dispositif local si nécessaire à partir du continent. Concrètement par jour, environ 400 personnes sur la totalité du dispositif et nous sommes montés jusqu'à 1300 l'année dernière.